Et c'est à ce moment-là que le piège photographique a révélé des images exceptionnelles. Pas de biche, pas de moonjack, pas de porc épic, mais... Bonjour à tous, il y a 2 ans, je vous annonçais qu'on dépassait la barre des 500 hectares protégés par Calaouette. Eh bien aujourd'hui, je vous annonce qu'on dépasse la barre des 1000 hectares. On en est exactement à plus de 1013 hectares pour l'ensemble des réserves de Calaouette, la réserve de Paraawen, la réserve de Supayang, la réserve de Mangkolisoy en stand-by pour le moment, et bien sûr la réserve d'Ulan avec 320 hectares rien que pour la réserve de Doulan. Alors concernant la réserve de Doulan, on est encore très loin des 1500 hectares qu'on doit absolument protéger pour sauver tous ces orangs-outans et ces gibbons qui se trouvent à l'intérieur. 320 hectares, il nous faut arriver à la barre des 1500 hectares. Et pour être honnête, la richesse de cette forêt Doulan me surprend tous les jours un peu plus. Il y a quelques semaines, j'ai suivi un grand mâle orang-outan, je vous avais envoyé une photo. J'ai même fait une vidéo, mais je ne peux pas vous la montrer tout de suite parce qu'elle doit être diffusée d'abord dans Vivement Dimanche. Un grand mâle orang-outan, peut-être de plus de 130 kg, qui est vraiment le roi de la zone ouest de la réserve d'Ulan. Ça a vraiment été un moment magique et j'ai vraiment hâte de vous montrer la vidéo. Mais il s'est aussi passé quelque chose très récemment. Regardez. Toujours aussi difficile de rentrer dans la réserve quand les eaux de la rivière Bouton sont aussi basses. Il n'y a aucun moyen pour une pirogue de rentrer à l'intérieur du lac. C'est très bien comme ça. Donc à cette saison, après avoir marché à peu près 20 minutes pour arriver jusqu'au lac, on reprend une pirogue pour environ 5-10 minutes pour arriver là où on a construit le camp de Calaouette. Il y a 2 mois et demi, j'ai placé 3 pièges photographiques dans un endroit bien particulier de la réserve. Vous savez, la réserve de Doulan est faite de plein de petites collines. Et il y a une colline en particulier où il y a un sentier de crête vraiment large, de quoi, de 2 mètres. Donc a priori, les animaux forcément passent par cette crête-là. Donc j'espère y trouver des images de l'ours, panthère nébuleuse, pourquoi pas, de biche, de moonjack. Voilà, c'est la première fois que je laisse 3 caméras aussi longtemps dans la réserve et surtout dans un endroit aussi prometteur. Donc on va voir. Mais avant ça, il y a environ 1h30 de marche. On vient de rentrer dans la réserve. On est à côté d'une petite rivière qui s'appelle la rivière Boto. Et il y a des traces de loutres. C'est toujours bon signe s'il y a des loutres. Ça veut dire que l'écosystème est plutôt sain. Donc là, on est sur le chemin de crête dont je vous parlais. Donc voilà, c'est une colline vraiment très à pic comme ça. Et en fait, le sommet se résume à une largeur de quoi, 3 mètres. Et c'est là où ce sentier-là, il a été fait par les animaux, pas par moi, pas par les humains, je veux dire. Et c'est obligatoirement emprunté par les animaux. Donc c'est des endroits vraiment stratégiques pour mettre un piège photographique, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, il faut le retrouver. Et je le vois, il est là. À ce moment-là, quand je récupère la caméra, je me dis « mince, pourquoi j'ai mis la caméra si haute ?» En fait, le terrain est en pente et j'ai placé la caméra comme si le terrain était à plat. Du coup, elle est beaucoup trop haute et les animaux ont dû certainement passer sans être détectés par la caméra. Et cette deuxième caméra, elle n'a rien donné, simplement une image noire. Et là, la deuxième, pareil, sur la continuité du chemin de crête qui continue jusqu'à là-bas.
Et peut-être moi, il y a un eucalyptus. Et il y a des anciennes traces d'ours. Et la troisième caméra a été récupérée par les gars, on s'était séparés. Mais elle aussi avait été placée beaucoup trop haute par rapport à l'inclinaison du sentier. Et elle a simplement enregistré, ce qui n'est pas rien quand même, deux petits ours, mais vraiment au loin, en bas à gauche de l'écran. Rien d'exceptionnel. Et c'est à ce moment-là que le piège photographique a révélé des images exceptionnelles. Pas de biche, pas de moonjack, pas de porc épic, mais... Regardez ses yeux, cette douceur dans ses yeux et à la fois ce charisme. Pour lui et tous les animaux de la forêt d'Oulan, je me dois de tout faire pour sauver ces 1500 hectares. Pour le moment, on a pris les compagnies de cours, mais il faut continuer et agir vite. Action concrète, résultat concret. 1 hectare, 900 euros. Vous avez déjà tous été très très généreux. Mais continuons à diffuser l'information pour étendre nos réseaux et toucher de nouvelles personnes. Nous pouvons y arriver. À l'heure où on vous parle sans cesse de déforestation, d'incendie, l'une des meilleures méthodes pour freiner tout ça, c'est d'acheter des terrains et d'agir comme les compagnies. C'est ce qu'on fait à Calaouette. C'est du concret, on gèle la forêt, on la protège pour du très très long terme avec tous les animaux à l'intérieur. Aidez-nous. Merci. La réserve d'Oulan a besoin de vous. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.